Salut à tous les amis, c'est One2. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le test ou la découverte de Rain sur PS3. Donc c'est un jeu développé par édité par Sony, pas développé, édité par Sony, développé par le studio Acquire ou Acquire, je sais pas trop comment on le dit, enfin je sais pas comment on le dit. Et oui, donc c'est sorti hier, donc le 2, et c'est au prix de 13 € sur le PSN. Donc on va tout de suite commencer ce test par l'intro, je vais vous laisser l'intro, je vais fermer ma gueule pour une fois, et vous allez profiter de la musique et de l'histoire.
Donc voilà. Donc l'intro vous présente le principal mécanisme du jeu, c'est-à-dire la pluie, d'où le nom du jeu Rain. Tout se joue avec ça en fait. Quand vous êtes couvert par la pluie, enfin couvert par quelque chose, on vous voit pas, vous devenez invisible aux yeux de l'ennemi. Et quand vous êtes sous la pluie, bah, vous êtes visible aux yeux de tous. Et tout se joue avec ça. C'est une sorte de puzzle game. Là, je l'ai commencé sur mon autre compte. J'en suis au chapitre 4, si je me souviens bien. Il y a 8 chapitres. Donc oui, c'est assez rapide. Et ouais, c'est tout se joue avec ça. Encore, le début est simple, mais après, ça se corse un peu. Et c'est vraiment plaisant à jouer. C'est vraiment très très plaisant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Je ne me souviens plus si... Hop. Voilà, donc là, on voit plus que mes pas avec les flaques. Hop, donc je suis invisible vu qu'on est couvert. Hop, je ressors sous la pluie. Voilà, tout se joue avec ça. Avec ça et avec les flaques de boue qu'on verra plus tard. Il y a des flaques de boue, donc si vous marchez dedans, bah forcément vous mettez de la boue de partout et forcément l'ennemi vous voit et donc c'est plus dur de lui échapper. Donc ouais, on peut tout faire tomber en étant invisible, bien sûr. Donc c'est un petit jeu indépendant, hein. C'est graphiquement c'est beau. C'est pas la claque de l'année, mais c'est beau. Pour un jeu indé, c'est vraiment beau et tout se joue sur comment? Sur l'ambiance. C'est un jeu à ambiance en fait. C'est. Tout se joue sur la tristesse. Même l'OST est très très lent, très. C'est pas trop la gaieté quoi. Ah, donc là faut qu'on échappe au premier ennemi. Et je sais plus d'ailleurs comment. Si, d'accord, on se met là. Donc là, l'ennemi ne nous voit plus. Ah oui, je précise que c'est une exclue PS3, hein, bien sûr. Là, on revoit la fille, enfin la fillette. Tac, donc on repasse par le même endroit et on prend la porte qui vient de défoncer. Et sur chaque tableau, c'est comme ça, c'est une petite énigme à résoudre. Plus ici par là. Alors là, je me souviens plus. Si. Hop. Faut se faire voir. Tac. Non, je suis plus là. Maintenant, faudrait qu'il se casse. Sinon, je vais mourir. Ah là, il me tourne le dos, donc je peux passer tranquille. Et là, je peux courir et me casser là-bas. Donc voilà, tout se joue comme ça. C'est plaisant, c'est vraiment reposant comme jeu. Comme l'avait été Flower à l'époque, ou Flo, même si Flo, j'avais pas aimé du tout par rapport à la jouabilité, la maniabilité. Mais ouais, ouais, comme Flower, c'est reposant, c'est pas prise de tête. Là, je crois qu'il faut juste courir. Laisse-moi tranquille. Ouais, donc comme je disais, c'est comme Flowers à l'époque, c'est vraiment reposant comme jeu. Ça avance tout seul. Là, en 1 h 30, j'ai fait 4 chapitres sur mon autre compte. Il y a niveau durée de vie, de toute façon, c'est 4 heures apparemment. Donc voilà, 4 heures pour 13 euros, c'est raisonnable. C'est vraiment raisonnable. La rejouabilité doit pas être immense. Mais bon. Hop, donc là, on marche dans une grosse flaque. Pour attirer la bête qui entend plus de bruit et on peut passer et ainsi de suite. C'est vraiment, ouais, c'est
L'aventure, réflexion, puzzle game, c'est un petit mélange. Et c'est adorable comme jeu, c'est vraiment adorable. Hop là. Donc ouais, on est toujours à la poursuite de la fillette. Là, moi, là où j'en étais, j'étais toujours à la poursuite de la fillette. Ça n'avait pas changé. Oups. Et voilà. Je suis mort connement. Mais bon, bref. Donc il y a les checkpoints assez souvent. Pour ça, vous avancez sans vraiment. Sans jamais être bloqué. La solution est toujours pas simple, mais c'est assez évident à trouver. Il suffit d'ouvrir les yeux et franchement, ça passe tout seul. Hop, tac, j'ai fait du bruit, j'ai éloigné les deux et je monte, hop, et je passe dans un nouveau tableau. C'est ouais, en fait, ça marche par tableau, hein, c'est pas un monde ouvert, c'est toujours, il n'y a qu'un seul chemin, c'est pour ça que j'appelle ça des tableaux. Et là, la fillette ne le voit pas, malheureusement. Ensuite, je vais pas m'attarder sur l'histoire parce que j'ai pas tout compris. Puis, à mon avis, c'est pas. Hein, c'est pas l'histoire de The Last of Us non plus. Donc, là, nouveau mécanisme. Les ennemis se jettent sur un échafaudage, ça le casse. Donc là, il faut que les deux ennemis se jettent sur lui, enfin sur l'échafaudage, pour que je puisse grimper. Tout simplement. Donc le deuxième ennemi, je crois qu'il est par là-bas. Allez, viens mon coco. Allez. T'es sérieux, toi, tu m'as pas vu? Allez, let's go. Tac. On le ramène là-bas. Il saute sur l'échafaudage, ça le fait tomber, et nous après on pourra grimper pour rejoindre la fillette. Tac. Allez, grimpe mon coco. Voilà, donc là on vient de faire le chapitre 1, puis de toute façon je vais pas vous en faire un deuxième. Je vais continuer moi tout seul sur mon autre sauvegarde. Désolé pour ma voix au fait, parce que je suis un peu malade. Donc désolé. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce test vous aura plu. Je vous conseille de le prendre, sincèrement, prenez-le. À 13 € ça vaut le coup, même s'il n'y a que 4 heures de jeu, c'est à faire. C'est une petite perle du PSN, c'est encore comme les Flowers. Et d'autres jeux, bien sûr. Donc voilà, bah, je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime, des commentaires. Puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!